c'était une blessure un peu embêtante que je traitais depuis un moment puisque j'avais des tendinites dans les tendons d'Achille. J'avais de plus en plus mal. On m'a fait des examens et c'était pas très encourageant. J'avais du mal à marcher le matin, j'avais mal après les entraînements. Enfin, c'était un peu galère. On a préféré me stopper. On m'a infiltré les deux tendons. Et à la suite de ça, on doit attendre un mois. Pendant cette période, il y a des risques de rupture du tendon d'Achille. C'est pas une énorme blessure, c'est pas une blessure très grave, mais c'est très long à soigner, donc ça a pris un peu de temps. La reprise s'est bien passée, je suis de suite senti bien dans le groupe. Voilà, et sans douleur, c'était hyper positif pour moi. À Biarritz, du coup, c'était un match qu'on avait coché, c'était un match assez important pour nous. C'était un match engagé, je pense que c'était le plus gros match de la saison. La première mi-temps, on a eu du mal à mettre notre jeu en place. Pendant l'engagement et tout ça, on était présents, donc ça nous a permis de rester accrochés. Et voilà, deuxième mi-temps, le banc a fait une super entrée. Marque sur un mot, je crois, de 15-20 mètres, donc ça, c'est hyper gratifiant pour nous les avant. Match nul, voilà, bien sûr qu'on aurait préféré gagner, mais c'était pas un résultat négatif au vu du match. Mont-de-Marsan, c'était plus compliqué, condition un peu spéciale. On a eu du mal à mettre notre jeu en place. En conquête, on a eu du mal aussi. On perd le match, mais le principal, c'était de rattraper ce qu'on avait fait. Le dernier match, c'était Massy. Voilà, c'était une équipe qu'on n'a pas pris à la légère parce qu'on sait qu'on avait du mal contre les équipes de bas de tableau qui étaient promues. On prend un point de bonus offensif, donc un score assez large. C'était quand même un gros match. Voilà, on avait bien préparé ce match. Et l'important pour nous, c'était de gagner le match. Après, avec le point de bonus offensif avant les vacances de Noël, c'est pour nous replacer dans le classement, c'était encore mieux. Donc voilà, il y a un bon groupe, je me sens bien dans le groupe. Dès le début, dès que je suis arrivé, c'était la première fois que j'arrivais dans un club où je connaissais vraiment personne et ça s'est plutôt bien passé, l'intégration, tout ça, enfin, c'était assez facile. En fait, moi j'ai commencé le rugby, j'avais 13 ans. J'ai commencé assez tard parce qu'avant je faisais du foot. Mon père et mon frère jouaient déjà au rugby. Bah, déjà j'avais un pied dedans, moi j'allais le voir le dimanche au match. Et puis à 13 ans, le foot ça me convenait plus trop. Donc j'ai cherché un sport qui pourrait plus me plaire, on va dire. Et finalement, j'ai été là où je connaissais le plus de personnes, on va dire, le rugby. J'ai de suite accroché, quoi. À la fin de la première année, je voulais déjà faire ma vie dans le rugby. J'ai toujours aimé le sport, j'ai toujours su que je voulais être dans le milieu du sport, mais ouais, à la suite des premières sélections, je pense que c'est là où je me suis dit que je voulais être pro. Le meilleur moment que j'ai vécu, je pense que c'est quand j'ai été champion de France espoir avec Bordeaux. C'est voilà, vraiment notre dernière année avec le groupe de joueurs avec lequel je vivais tous les jours. Et après, un deuxième moment qui m'a marqué, j'aurais pu dire mon premier match pro, mais c'est pas vraiment un match. Plus quand j'ai commencé à m'entraîner avec les pros à Bordeaux, je pense. Je jouais en crabeau, j'étais pas encore au centre de formation. J'arrivais d'une région où il n'y a pas trop, enfin il y a du rugby, mais il n'y a pas de club professionnel. Donc arriver à Bordeaux et dès la première année pouvoir m'entraîner avec les pros, c'était vraiment top, quoi. J'aime bien regarder le sport en général. Un joueur dans le rugby qui est incroyable parce qu'il a été capable de jouer à 15, à 13, à 7, serait Sonny Bill Williams, même si ça n'a rien à voir avec moi parce que c'est pas du tout le même poste. Mais c'est un joueur qui est déjà c'est un athlète, donc il est capable de s'adapter partout. Après moi je regarde surtout tous les deuxièmes lignes actuelles, c'est un poste qui a pas mal changé. Les mecs qui jouent deuxième ligne aujourd'hui sont capables aussi de jouer troisième ligne, comme des centres. C'est un poste qui est assez complet, je trouve. Je regarde pas mal ce qui se fait à mon poste pour essayer de m'améliorer, de voir ce que moi je pourrais faire pour m'en rapprocher. Pas toujours chez deuxième ligne, mais là si je commence à raconter ça. À 13 ans j'ai commencé le rugby, à l'époque je jouais 10. Voilà, j'étais grand mais j'étais pas très costaud, pas du tout même on va dire. Après j'ai joué centre, on va dire qu'en fait je me rapproche petit à petit des plus petits numéros en fait. J'ai joué centre juste avant les cadets. La dernière année on m'a passé troisième ligne centre. Je suis arrivé à Bordeaux, je jouais encore troisième ligne. L'année où je me blesse donc au genou, il y avait Pierre-Henri Broncan qui était au club à Bordeaux et on avait des entretiens avec eux et qui m'avait dit qu'en gros que si je voulais être professionnel, c'était le poste qu'il fallait que je choisisse. Et derrière, en pro, Carcassonne m'avait recruté pour jouer deuxième ligne. Moi, j'étais assez toqué avant, j'essaie de me calmer un peu. Un rituel peut-être avant les matchs, j'ai un carnet, donc je me fais, on va dire, un peu une liste de ce qu'il faut que je fasse pendant le match. Mes objectifs individuels, ouais, juste la musique, préparer mes affaires
Et voilà. On commence la deuxième partie de saison. Nous, notre objectif, c'est de finir dans le top 6, voilà, pour pouvoir faire des phases finales. Donc, on va dire que les 10 premiers matchs, là, ils vont être super importants. Là, on a un bloc de 2 matchs, donc on va à Aix et on reçoit Carcassonne. Après, on a une coupure et après, on a 6 matchs. Donc, la reprise va être hyper importante et faut pas qu'on perde de temps. Ouais, bah, je voudrais vous remercier d'abord pour les votes, parce que c'est... Comme j'ai dit à plusieurs personnes, c'est toujours gratifiant d'avoir un trophée individuel. Maintenant, moi, je suis quelqu'un qui est assez au service de l'équipe. Donc, en ce moment, l'équipe fonctionne plutôt bien. Donc je pense fonctionner plutôt bien aussi. Donc ça, je voudrais remercier tout le monde, parce que c'est pas que moi qui fait les matchs. Donc, merci beaucoup pour ça. Et puis merci de venir au match nous soutenir. C'est hyper important pour nous. Moi, j'adore quand le stade est plein et quand il y a du bruit. Donc, c'est top de vous voir au match, et en espérant vous voir de plus en plus nombreux jusqu'à la fin de saison.